rings on me, rings on me. When I was so heavy, pour on the serum for me. When I'm low, 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 I'm feeling drunk and high, so high, so high. I'm feeling drunk and high, so high, so high. Hey, yo les amis, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo glitch sur GTA 5 Online. En 1.43, donc je vous montre ça tout de suite. On est bien en 1.43, comme ça il n'y aura pas de dit ouais c'est patch, etc. Nous sommes bien sur la version de GTA Online en 1.43. Donc c'est parti pour ce glitch. Et donc dans un premier temps, il faudra posséder un appartement avec un garage, ou bien un garage tout simplement, avec un véhicule que vous voulez dupliquer et un autre véhicule. Donc je vous conseille une RH8 ou bien une voiture de PNJ qui sera dans votre garage, donc gratuitement vous la posez. Donc moi je vais vous faire voir que je vais remplacer le véhicule Sentinelle en jaune par une duplication de Deluxo. Donc j'ai pris la Deluxo, mais je vous dis directement, la duplication de la Deluxo va pas se revendre cher. Donc pour que vous gagnez de l'argent et tout, je vous conseille fortement de prendre les véhicules de chez Benny. Donc tel que la Elegy RH8 Retro qui est là-bas, ou bien une Sultane, c'est vraiment la meilleure solution pour gagner de l'argent. Ensuite il y a les glitch fun, donc moi comme je vous ai dit, une Deluxo pour avoir un peu plus de Deluxo dans son garage, etc. Donc une fois que vous avez le véhicule que vous voulez remplacer, donc comme je vous ai dit, soit un véhicule de PNJ, soit un véhicule que vous venez d'acheter, donc la Elegy RH qui est gratuite, donc pour ça les Andari Motorsport, voilà, vous faites tirer par prix et vous la trouverez. Donc elle est gratuite que si vous avez, vous êtes inscrit au Social Club, mais normalement ça, vous êtes inscrit au Social Club. Donc une fois que vous avez votre garage avec le véhicule et que vous voulez dupliquer et le véhicule que vous voulez remplacer, vous allez tout simplement devoir prendre le véhicule que vous souhaitez dupliquer et vous rendre à un complexe. Donc soit le complexe de votre ami, soit votre complexe. Donc c'est ça l'avantage du glitch. Si vous faites avec votre ami, donc si vous n'avez pas de complexe et que vous voulez faire avec le complexe de votre ami doit être dans son complexe. C'est le seul truc qu'il faut faire. Donc là vous allez vous rendre directement au complexe de votre ami ou à votre complexe. Donc je vais vous faire des petits accélérés, c'est normal. En tout cas ouais les amis, pour ceux qui veulent nous rejoindre, tout se trouve dans la description, donc le lien du crew, les PSN, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis aussi à commenter la vidéo, ou si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à commenter, je réponds, je vous fais plaisir, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre, nous on cherche des gens pour faire des activités, etc. Je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, donc là j'arrive à mon complexe et là la manipulation la plus dure va arriver. Donc le complexe de votre ami ou votre complexe doit être plein, donc le véhicule, il doit être blindé de véhicules. Donc moi je vais regarder s'il est blindé car je me rappelle plus. Et là vous allez devoir abîmer le véhicule que vous voulez dupliquer aussi. Donc là hop, mon complexe il est plein, vous pouvez voir, il n'y a pas de fake, il n'y a pas d'autres de luxo, etc. Donc là vous voyez, je vais abîmer mon véhicule. Une fois que vous abîmez votre véhicule, donc sur Xbox, vous allez devoir rejoindre une communauté. Donc préparez à se rejoindre sur une communauté. Moi je vais faire PS et aller dans rejoindre un ami. Une fois que vous avez préparé rejoindre un ami, la manipulation va se corser. Donc là je vous conseille de bien abîmer le véhicule jusqu'à temps qu'il fume. Donc vous achetez une grenade pour détruire votre véhicule. Donc abîmez votre véhicule. Allez dans rejoindre une session, donc pour Xbox aussi ça marche, sur PC aussi. Donc vous avez juste à vous mettre sur rejoindre session, où vous allez devoir faire la manipulation assez rapide. Donc là il y aura un timing, vous allez devoir jeter une grenade les amis. Donc là je prends mes grenades, si je la trouve bien. Je mets mes grenades et je vais accélérer. Une fois que je vais accélérer, il y aura le message derrière comme quoi le complexe est plein. À partir de ce moment là, vous allez faire pause, trouver une nouvelle session, enfin trouver une nouvelle session avec un ami et vous allez faire tout simplement double PS, rejoindre votre ami. Vous êtes prêts? Je jette la grenade. J'accélère. J'accepte, je fais pause, je vais dans en ligne, je fais trouver une nouvelle session des amis et je rejoins mon ami avec le double PS. Une fois que c'est ça, une fois que ceci est fait, vous allez avoir un message comme quoi l'échec de la session nanana contenant des amis. Vous allez faire oui, alors que là je viens de rejoindre mon ami. Donc faut bien que votre ami joue. Donc là je viens de faire PS, rejoindre mon ami. Et là vous avez eu le message d'alerte. Vous l'acceptez. Et là normalement, quand vous allez réapparaître, vous serez
dans votre, dans, enfin, au point d'apparition de votre appartement. Donc ça, faut, j'ai oublié de le dire, faudra avoir le point d'apparition de votre appartement, donc le garage de votre appartement. Donc une fois que vous allez spawn, vous allez tout simplement remplacer le véhicule que vous souhaitez remplacer. Donc moi, je vais prendre la sentinelle qui est là. Et là, normalement, vous aurez une duplication. Donc voilà. C'est vraiment un glitch, vraiment tout simple. Donc quand vous allez respawn, vous allez avoir un écran noir. Donc voilà, vous pouvez voir la duplication. C'est la même plaque que la sentinelle. Donc je vais essayer de vous la faire voir. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de trucs et tout. Donc celle-là, cette duplication-là va pas se revendre cher. Je vous le dis, parce que c'est pas un véhicule de chez Benny. Ce véhicule-là se revend le prix original. Donc vous allez la vendre et vous aurez l'autre. Ça vous fait toujours de l'argent en plus. Donc voilà, c'était tout pour ce glitch. Donc je vais vous la réexpliquer. Vous mettez un véhicule que vous souhaitez remplacer par la duplication dans votre garage avec le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Une fois cela fait, vous allez devoir vous rendre dans un complexe, donc soit celui de votre ami ou soit le vôtre. Donc le véhicule doit être plein, je tiens à préciser. Pour vous, si vous voulez le faire avec votre complexe, une fois arrivé devant, vous allez devoir abîmer le véhicule, jeter une grenade et vous allez directement foncer au point jaune. Une fois au point jaune, juste avant, faudra se mettre sur rejoindre une session d'un ami. Donc vous allez avec un ami en chat party ou je sais pas comment vous faites sur Xbox, vous rejoignez la communauté, vous vous mettez dessus, vous faites double PS pour revenir au jeu, et une fois que vous êtes revenu au jeu, vous allez tout simplement foncer sur le point jaune, et là vous allez faire X comme quoi le complexe est plein pour rentrer dedans, vous allez faire pause, trouver une nouvelle session avec un ami, et là vous allez faire double PS, rejoindre votre ami. Normalement il y aura un message d'alerte, et une fois que ce message d'alerte vous l'avez accepté, vous allez tout simplement respawn dans une nouvelle session. Bien sûr, pour respawn dans votre garage, vous allez devoir mettre le point d'apparition sur votre garage là où se trouve le véhicule que vous souhaitez remplacer, sinon le glitch ne fonctionnera pas. Donc ça, je sais pas si je l'ai dit au début de vidéo, mais voilà, on va mettre le point d'apparition à son garage. Une fois que vous êtes à votre garage, il y aura une espèce d'écran noir buggé, et à partir de ce moment là il va vous demander de changer le véhicule que vous souhaitez remplacer quoi. Donc là moi j'ai pris la sentinelle, mais pour vous je suggère soit un véhicule PNJ, soit le véhicule la Elegie RHL qui est gratuite. Maintenant pour ceux qui veulent le faire avec votre ami, donc c'est pareil, vous allez placer le véhicule sur le point jaune, vous allez commencer à l'abîmer, votre ami va devoir vous inviter au complexe. Une fois qu'il vous invite au complexe, vous allez faire accepter, donc vous devrez être dans son véhicule au point jaune du complexe à peu près. Là vous abîmez le véhicule, vous jetez une grenade, vous acceptez son invitation par téléphone, vous allez faire pause, trouver une nouvelle session avec un ami et tout simplement rejoindre votre ami. Donc voilà, c'est un glitch vraiment facile je trouve. Après il y a un bon timing à avoir, faut bien que la grenade n'explose pas, mais en même temps elle explose dans la seconde où vous appuyez sur trouver une nouvelle session avec un ami. C'est le seul inconvénient que je trouve. Mais voilà, je vous présente des glitches faciles et tout sur cette chaîne. J'essaye jamais de vous niquer hein, parce qu'il y en a, ils sortent des glitches. J'en parle même pas, hein, je fais pas de dédicace ni rien, mais il y en a en ce moment sur GTA, je sais pas ce qu'ils font, mais ils en abusent à sortir du fake. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de ce glitch, surtout n'en abusez pas parce que c'est un glitch, des risques de ban, il y en a, etc. Profitez un max. Allez, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à lâcher votre gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye les amis, ciao.